Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Loris de Ricbourg et je suis étudiant à l'Institut Paul Bocuse en deuxième année du Bachelor de Management des Arts Culinaires. C'est moi qui vais animer ce live aujourd'hui en compagnie de Paul et Paul. Je vous laisse vous présenter. Alors du coup, moi je m'appelle Paul Rouquier, je suis également en deuxième année des Arts Culinaires à l'Institut Paul Bocuse. Et donc je viens de l'Aveyron, mais ça vous allez vite l'entendre avec mon accent. Donc moi je m'appelle Paul, donc comme Paul. Moi contrairement à Paul, je viens de Normandie. Donc ça s'entend pas à l'accent malheureusement, mais je viens de Normandie et je suis aussi comme eux en deuxième année à l'Institut en art culinaire. Voilà, donc moi pour préciser, je suis originaire de Lyon et voilà. Donc dans un souci de compréhension aussi du live, ce Paul-là s'appellera le pilote et on aura ici le copilote. Je vous laisse expliquer un peu pourquoi on a choisi ces deux surnoms. Oui, bien sûr. Donc on a choisi ces deux surnoms pour une raison qui est tout à fait simple, c'est qu'en février 2022 avec Paul, on part faire le 4L Trophy au Maroc. Donc on va partir une quinzaine de jours. Jusque Marrakech, de Écully en passant par toute l'Espagne, Biarritz. Et c'est un rallye humanitaire qui a pour but de donner des affaires scolaires aux enfants dans les déserts et aussi de la nourriture. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram et Facebook, donc Nessin et Or Bocusien. Vous aurez le lien dans le chat dans quelques instants. Voilà. Merci Raphaël. Donc c'est un très beau projet et que moi j'encourage beaucoup. Donc aujourd'hui on va vous présenter donc deux recettes. On aura d'abord donc des véritables pâtes carbonara et ensuite un millefeuille de briques aux agrumes. Donc Mathieu Frey qui nous dit qu'ils sont beaux ces chefs et Loris. Donc merci Mathieu de m'avoir inclus dedans. Merci beaucoup Mathieu. Merci Mathieu et on lui fait un coucou depuis Écully et jusqu'à l'île de Ré. Alors on va commencer, on va vous expliquer vite fait le menu du coup d'aujourd'hui. Donc les véritables pâtes carbonara. Donc pourquoi on a fait ces carbonara? C'est une recette simple que tout le monde fait à la maison, mais tout le monde ne la fait pas correctement entre guillemets. C'est que tout le monde, beaucoup de gens mettent de la crème, mettent des lardons, alors que nous on ne met pas de crème, on ne met pas de lardons, on ne met pas de parmesan, on met du pecorino. C'est un fromage affiné italien aussi. Et normalement, on va mettre du guanciale, donc c'est une charcuterie italienne à base de poitrine de porc qui est séchée, fumée et salée. Malheureusement, je suis allé à la boucherie ce matin et il n'y en avait plus. Donc voilà, et Paul va vous expliquer du coup le dessert. Du coup, pour le dessert, on est parti sur l'idée de millefeuille, donc aux agrumes. Pourquoi les agrumes? Parce que c'est un produit que j'aime beaucoup depuis tout petit. J'ai toujours aimé la saveur, donc la cida. Et donc, ça sera millefeuille de briques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà les briques, on s'en sert pas mal de la laisser mon ça. Et après, on va faire une crème diplomate aux agrumes. Donc, c'est tout simplement une crème bâtière dans laquelle on va incorporer de la crème fouettée. Et pour finir, pour accompagner, on aura un petit caramel d'orange. Voilà. Voilà. Du coup, je propose qu'on commence. On va commencer, hein. On va pas parler pendant. Je te laisse y aller. Oui, donc moi, je vais commencer par tailler du coup les tranches qui vont de pâte brique qui vont remplacer la pâte feuilletée traditionnellement. Donc, en fait, on va tailler des rectangles de pâte de brique. Donc la pâte de brique que vous pouvez tout simplement l'acheter toute faite en fait au supermarché du coin. Donc en fait on va enchaîner et superposer trois feuilles de brique les unes sur les autres. Et entre temps on va aussi mettre à fondre du beurre pour pouvoir coller ces briques. Alors on a une question qui nous dit si c'est compliqué et long à faire un feuilletage. Alors compliqué je dirais pas. Mais malheureusement, c'est assez long. Ça se fait jamais, comme on dit nous en restauration, à la minute. Il faut le faire au moins la veille, histoire de pouvoir en fait superposer les couches de pâte et de beurre ou de matière grasse. Voilà. Et juste du coup pour compléter un peu ce que disait tout à l'heure Paul sur la recette des pâtes carbonara, on a aussi décidé de faire cette recette du coup comme il l'a dit pour respecter véritablement la vraie recette justement italienne. Et montrer vraiment son côté véritable et authentique. Et voilà. Donc en plus, on pense que c'est une recette à la portée de tous. Voilà, on vous invite fortement à le faire. Du coup, moi, je vais commencer ma crème pâtissière. Donc je commence par mélanger mon sucre avec mes jaunes d'œufs. Et pendant le même temps, je fais bouillir ma mollet. Hop, le mollet, je le fais bouillir bien sûr avec les zestes. Donc normalement aussi, vous avez toutes les quantités. Oui. Vous avez toutes les quantités du coup qui sont disponibles sur le Facebook de l'Institut. Normalement, si vous êtes des téléspectateurs assidus, vous avez déjà tout prêt à côté de vous.
Donc, comme Paul vous précisait pour sa crème pâtissière, juste ce qu'il faut prévoir et anticiper, que nous, on a déjà fait en, au préalable du live, c'est réaliser le jus d'orange. Donc, juste presser les oranges. Réaliser aussi la crème fouettée, qu'on a fait aussi au préalable, voilà. dans un bol bien froid. Et aussi, ne pas oublier la gélatine, donc c'est la gélatine qui est ici. Donc en fait, la gélatine, qu'on a fait réhydrater, à bien faire tremper dans de l'eau, surtout froide. Voilà. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire ma crème pâtissière, donc moi, elle est déjà en train de bouillir, et je suis en train de blanchir mon sucre avec mes jaunes d'œufs. Et du coup, monsieur le pilote, pourquoi c'est important de bien blanchir les jaunes avec le sucre ? Pourquoi c'est important ? Donc, c'est pour permettre une très bonne incorporation au niveau de la crème pâtissière, ça nous évitera d'avoir des morceaux après à l'intérieur de la crème. D'accord, ok. Et du coup, messieurs, pourquoi vous, par exemple, vous avez choisi l'Institut Paul Bocuse ? Alors, c'est quoi les principales raisons et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette école ? Alors, j'ai choisi l'Institut pour une bonne raison qui est déjà le nom. Ça s'appelle Institut Paul Bocuse. Donc, comme je pense 99% des gens aujourd'hui sur le live connaissent le chef Paul Bocuse, hein, monsieur Paul, déjà pour ça. Et ensuite, pour... Le réseau que l'on pouvait avoir à l'Institut, avec notamment les chefs qui ont des grandes carrières, autant en France qu'à l'international. On a aussi la possibilité de faire plusieurs options, de voyager, donc d'apprendre d'autres cultures, de visiter d'autres pays. Et ça me semblait important à découvrir et à voir. Voilà. D'accord, et pour toi du coup ? Alors moi j'ai choisi l'Institut Paul Bocuse, donc juste pour savoir, avant j'ai fait un bac technologique hôtelier. Et après, je savais pas trop. Enfin, je pensais faire un BTS, puis j'ai découvert l'Institut Paul Bocuse par du bouche à oreille, et j'ai décidé du coup de venir à l'Institut Paul Bocuse, notamment pour le côté management et gestion qu'on n'a pas forcément au lycée, et également pour les techniques culinaires avec les nombreux chefs qu'on a. Donc voilà, là, je suis en train de réaliser du coup notre pâte pour le feuilletage. Du coup, on va faire comme j'ai fait ici, donc les différents morceaux de feuilles de brique superposés avec du beurre fondu. Donc là, j'ai fait la première étape, donc j'ai fait la feuille du bas. Et là, maintenant, je vais réaliser la feuille du haut. Ouais. Je pense qu'on a un message de Vincent Bretonnet pour l'un des deux pôles. C'est pour moi. C'est pour toi. Ouais, je fais un coucou à Vincent. C'est une de mes premières expériences, on va dire, professionnelles. Dans la restauration et dans la cuisine, c'était un ami de mes parents qui était boulanger en Normandie où j'étais petit. Et à 11-12 ans, pendant mes vacances scolaires, j'allais avec lui faire du pain, faire de la pâtisserie. Donc un bon souvenir qui date un peu malheureusement, mais dont je me souviendrai toute ma vie. Alors du coup, moi je reviens un peu sur le côté de la cuisine. Du coup, j'ai fait blanchir mon sucre avec mes jaunes d'œufs et là, je suis en train d'ajouter la farine. C'est ce qui va permettre d'amener le liant à notre crème pâtissière. Et du coup, pour revenir sur le sujet des parcours, puisque personne ne m'a introduit, je vous remercie les gars. Avec plaisir. Moi, j'ai fait un bac professionnel de cuisine avant, dans un lycée à Gorgelou, qui s'appelle Jeanne de France. Et ensuite, j'ai choisi l'Institut Paul Bocuse, parce que étant lyonnais et ayant toujours habité à Lyon, monsieur Paul Bocuse a toujours été un nom. Et c'était pour moi la seule et unique école dans laquelle je voulais aller. Donc voilà. On a une question de Anouk, Anouk Jeannot, notre camarade de classe qui nous demande si c'est éco-responsable. Alors, donc notre recette, elle est totalement éco-responsable parce que, par exemple, on a utilisé que le zeste pour notre crème pâtissière. Et pour notre crème pâtissière, oui. Et du coup, le jus l'a récupéré pour réaliser un caramel. Du coup, on utilise par exemple l'orange à 100%. Paul, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, alors quand on parle d'éco-responsabilité, on sait très bien que monsieur Paul Rouquier, donc le pilote, est le maître en la matière. Donc notamment, pour vous donner un exemple, pour éviter le gaspillage, donc là, j'ai des parures de feuilles de brique que je ne vais pas utiliser dans la recette. Donc en fait, ce que vous pouvez faire à la maison, donc soit vous la récupérez pour faire des petites samoussas ou des petits nems, mais aussi vous pouvez la faire frire derrière pour faire un peu de croustillant sur un plat. C'est toujours sympa. Pour du coup la feuille de brique, là je viens de terminer du coup je viens de terminer mes petites feuilles de brique. Et là je vais les cuire au four à 170 degrés environ pendant une bonne dizaine de minutes.
Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne surveiller au fur et à mesure. Parce que si vous ne les surveillez pas au fur et à mesure, malheureusement, vous ne pourrez pas vous rendre compte que c'est trop cuit. Alors, du coup, c'est un message pour nous deux, Paul. Je ne sais pas si tu connais l'établissement. Pas du tout. Non. Raconte-moi l'établissement, Paul. D'accord. Mais du coup, mes parents, ils ont un hôtel. Et du coup, là, je pense que c'est le responsable qui m'envoie un petit message. Donc, je pense que c'est Anthony et ou Rosine, je ne sais pas. Et donc, je les remercie. Merci beaucoup. Bon, alors, faites bonjour. Oui, on leur passe un bonjour. Et donc, moi, j'ai une autre question pour vous. Quels sont vos projets après l'Institut? Du coup, qu'est-ce moi, après l'Institut, je pense que je vais partir travailler 6 mois, 1 an. Et après, je voudrais reprendre donc, le restaurant comme mes parents dans l'Aveyron. Okay. Voilà. C'est un très beau projet. Et toi Alors, moi, j'ai un projet, on va dire, légèrement différent de celui de Paul. Du coup, moi, après l'Institut, déjà, je voudrais aller voir ma famille qui est en Nouvelle-Calédonie. Parce que en fait, ça fait quelques années maintenant que je ne les ai pas vus. Ça va faire 6 ans que je ne les ai pas vus en vrai. Donc ça me manque un petit peu, on va dire. Et aussi, après, je vais partir, je pense, à l'étranger, travailler et faire ma propre expérience et découvrir de nouvelles choses. Je parlerai de mon projet professionnel après, parce qu'on a Aurélien de Maisonneuve, donc, qui est l'auteur de la crème montée lors du premier show cooking, donc le maître en la matière. Hein, et il nous demande pourquoi on n'a pas décidé de monter la crème à la main, tout simplement parce qu'on avait un peu la flemme. Et au robot, c'est plus facile. Mathieu Frey aussi qui nous demande quelles sont vos inspirations de chef. Mais Paul, je te laisse commencer. Bon, je vais commencer, voilà. Sinon Paul est occupé. Ouais, cours. Commence. Du coup, mes inspirations de chef, il y en a plusieurs, dont particulièrement un, Cyril Lignac, qui m'inspire tous les jours, mais également Sébastien Brasse, qui est originaire de mon département et qui a eu 3 étoiles pendant presque une vingtaine d'années. Ok, très bien. Et toi? Alors, comme vous pouvez le constater, Paul n'est pas chauvin du tout. moi, c'est un peu différent. J'aime beaucoup. Enfin, en fait, je suis passionné de cuisine, donc j'aime beaucoup de chefs différents, beaucoup m'inspirent. J'ai, on va dire, des mentors, parce qu'avant l'Institut, je n'ai pas parlé de mon parcours, mais j'ai fait de l'alternance pendant 4 ans. J'ai fait un CAP de 2 ans et un brevet professionnel de 2 ans. Donc, je vais rebondir en même temps sur la question de Anouk. Donc, tu peux nous la lire? Parle-nous du concours MAF, alors, s'il te plaît. Ça, c'est un sujet sur lequel je me fais beaucoup taquiner avec mes amis, surtout le week-end. En fait, c'est que pendant mon apprentissage, du coup, en CAP, j'avais environ 15 ans à peu près. J'ai fait les meilleurs apprentis de France, où j'ai terminé médaille de bronze régionale. Du coup, ils me taquinent sur ça tous les week-ends. Du coup, donc là, je vais me mettre sur les agrumes. Donc, je vais faire donc, les zestes d'orange dont on va avoir besoin pour le dessert de Paul. Ensuite, pour du coup ne pas jeter les zestes, l'intérieur, on va prélever les suprêmes. Donc, je vais vous faire voir comment on fait pour récupérer et les zestes, donc ce qu'on appelle à la microplane. Donc, tous les show cooking quasiment précédents, on vous a fait voir des techniques. J'en ai une autre. Ensuite, pour les suprêmes. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui est bien, si vous voulez utiliser ben, un jus. Alors, j'ai une question de Vincent donc, qui me dit « Alors, Polo, si dans l'avenir, tu veux travailler dans les palaces de la région, fais-moi signe. » Oui, je te ferai signe, Vincent, il n'y a pas de souci. Je t'appellerai même si je suis dans la région. Je pense qu'on peut laisser Paul faire le live tout seul. Il a ouais, je pense, on va partir. Tu vas te laisser. Moi, je suis bavard, donc il faut que je... Du coup, moi, je reprends un peu la main quand même. Donc là, j'ai mon lait qui est en train de bouillir. Je vais inverser à environ la moitié, les trois quarts dans mon précédent mélange donc de jaune d'œuf, farine et sucre. Je bats complètement pour bien incorporer. Anouk Jounot qui nous dit qu'elle adore ton accent. Et voilà. C'est un accent assez chantant et qu'on aime tous. Et, c'est ça. De toute façon, maintenant, on a tous l'habitude. Donc, Bon, après, moi, j'ai un axe de différenciation comparé à toi, Anouk, qui a ton accent lyonnais. Alors, critique pas l'accent lyonnais parce que je suis de Lyon. Je sais. Du coup, là, j'ai fait mon mélange et je remets tout ça à bouillir avec donc tout ça à bouillir dans la casserole. Donc là, j'ai terminé du coup les zestes d'orange que j'ai prélevés à la microplane. Donc je vais les mettre du coup dans mon petit contenant et je vais les réserver pour la fin. Donc je vais faire pareil avec le citron. Donc je vais rouler mon citron comme ça afin de récupérer le jus pour plus tard. Donc on a une question aussi de Mathieu Frey
Décidément, il est beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. S'il participait autant en cours, je pense que ce serait un peu mieux. Mais sinon, il nous demande si on a des projets de télé pour plus tard. Je pense que dans le chat, vous pourrez tous me dire si je présente bien. Et sinon, ça me ferait un peu mal au cœur. Mais sinon, pas spécialement. Après, je sais pas pour mes deux acolytes. Non, pas spécialement. Pour le moment, pas de projet. Peut-être certains qui vont arriver, mais pour le moment, j'en ai pas. Donc là, surtout, donc pour ma pâtissière, il faut pas arrêter de battre, sinon elle va accrocher. Donc là, tu es en train de cuire ta crème pâtissière, c'est ça? C'est ça. Tu vas la cuire à peu près combien de temps? Là, déjà, elle est à bonne texture, là, normalement, ça suffit. D'accord, ok. Merci. Donc moi du coup je vais enchaîner comme tout à l'heure je vous le disais sur les suprêmes, donc du coup et de citron et d'orange. Donc pour faire le suprême, il faut couper les deux extrémités de façon à ce qu'en fait on puisse voir la chair de l'orange et aussi le poser en fait sur l'assiette. Ça vous pouvez le réutiliser, ça vous pouvez l'utiliser éventuellement pour faire par exemple une petite boisson froide, par exemple là où il fait très beau. Avec des glaçons, on reprend un petit peu de jus d'orange et on met ces écorces-là à infuser légèrement. Bon, je pense que notre copilote explique très bien. Il pourra même peut-être éventuellement réaliser les prochains tutos de l'Institut pour nos apprentissages. Parce que je pense que tu expliques tellement bien que tout le monde comprend, il n'y a aucun doute dans le chat. J'espère en tout cas, et surtout si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre, autant moi que Paul. Et que Loris. Ou que Loris, tout simplement aussi. Du coup, moi j'ai une. Ah. Tu présentes super bien, Loris. Merci. Bah, du coup, j'aurai sûrement des projets de télé. De toute façon, il y a M6 qui va sûrement m'appeler après. voilà. Du coup, moi je vais juste finir ma crème pâtissière et là je vais la mettre donc au frigo pour la faire refroidir. Alors là, du coup, j'ai terminé le premier. Donc, j'ai ce qu'on appelle nous peler à vif les agrumes en fait. Donc en fait, on suit vraiment la forme de l'agrume. Donc, vous pouvez... Je pense que tu peux montrer avec la caméra. Vous voyez, je pense que vous voyez à la caméra ici. Donc, vous voyez ici donc, la forme de l'agrume. Donc en fait, il faut avoir l'agrume le plus rond possible et pas droit. Le but, c'est pas de faire un cube, mais d'avoir vraiment cette forme ronde en fait, qui sera jolie dans l'assiette à la présentation. Donc là, je vais faire pareil pour le citron. Du coup, là, on a un petit message de ma tante, donc, qui est la sœur de ma mère. Je la remercie beaucoup pour son commentaire et qui va venir sur nous trois. Ben merci Michel. Et merci Michel. Et bonjour à Michel au passage. Hein. Après, si chez vous, vous êtes un petit peu pressé pour refroidir une crème pâtissière, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur un lit de glace pilé. Ça va refroidir plus rapidement. Intégrer l'IPB est compliqué. Alors, là, je vais parler uniquement de mon expérience personnelle. Ça n'a pas été forcément compliqué. En fait, c'est plutôt une série de tests. Donc, de tests et d'entretiens. Et non, c'est pas très compliqué. Il faut. Je pense que pour intégrer l'Institut, il faut surtout. Faut pas forcément avoir d'énormes capacités intellectuelles ou quoi, mais il faut surtout avoir. Être quelqu'un de réfléchi et. Et surtout être très motivé, je pense. Ouais, voilà aussi. Ça, c'est le plus important, il faut être très très motivé. Mais du coup, pour répondre à la question, non, pour moi, c'est pas très compliqué d'intégrer l'Institut. Après, je sais pas vos ressentis. Non, mais, pour moi non plus, ça a été plutôt, on va dire, pas simple, mais j'ai dû travailler, réviser certaines techniques, la connaissance du métier, parce qu'on a différents tests dont Loris vous expliquera un peu plus tard. Moi, je vais revenir du coup sur les suprêmes toujours. On sort pas de ces suprêmes. Donc, pour terminer de lever les suprêmes, il faut en fait donc inciser au niveau du citron ici et aller en fait jusque la fin du suprême ici aussi de l'autre côté. Et là, derrière, vous détachez votre suprême. Ensuite, pour le deuxième, vous avez juste, c'est très très simple. Vous descendez en bas et vous remontez après. Sauf s'il se casse, vous faites comme le premier. Et normalement, il n'y a pas besoin, ça vient tout seul. Hop, comme ça. On a Maxime Rodrigue qui nous pose une question. Quels sont vos projets d'avenir? Donc Maxime, si tu me regardes, c'était mon chef de partie au Nomos. Donc c'est un restaurant d'application de l'Institut qu'on passe tous en première année. Un très bon chef, d'ailleurs, il a une page Instagram, MaxiPB. Allez voir, c'est plutôt pas mal. Et voilà, après, du coup, on a déjà répondu à cette question. Sur nos projets d'avenir. Voilà. Moi personnellement, j'y avais pas répondu. Du coup, je peux le dire, c'est que je sais pas vraiment où partir.
Je sais que je veux aller à l'étranger, je sais que je veux partir quelques années, mais je sais pas exactement où. Et voilà. Dis-nous tout. Voilà, du coup, moi, je vais me lancer sur le caramel d'orange qu'on a... Je vais me lancer sur le caramel d'orange qu'on a parlé au début. Donc, je vais commencer à faire brunir mon sucre dans ma casserole directement. On a Marie-Jacqueline qui nous dit que notre émission est mieux que celle de Cyril Lignac et qu'il espère nous voir sur M6. Bisous le chef. Bah, de toute façon, comme j'ai dit, on a M6 qui nous a appelé juste avant. C'est ça. On va refaire le jury de Top Chef là, ouais. Dans 2 heures. Ouais. Ils ont voulu annuler la diffusion ce soir justement parce qu'ils avaient peur qu'on fasse une meilleure audience. Mais bon, on leur a dit non. On enverra du monde sur le live sur le Top Chef de ce soir. Vous inquiétez pas. Ouais. On n'espérait pas trop voler la vedette, surtout qu'il passe après nous, donc c'est un peu compliqué niveau spectacle. Ah, je crois que les tuiles sont cuites. On a Léa Badawi, parce que ça c'est pour monsieur Larson. Est-ce que Paul a enfilé ses chaussures de chantier pour protéger ses pieds en cuisine? Oui. Alors oui, je confirme, ces petits petons sont bien au chaud dans ses chaussures de chantier. On ne va pas être obligé de raconter l'histoire des chaussures de chantier. Ça te regarde. Je pense que voilà, on vous la racontera lors d'un autre live si. Peut-être plus approprié parce que je ne suis pas sûr que ça passe sur YouTube. Non, c'est pas très intéressant. Donc là, je viens de sortir mes feuilles de briques du four. Donc là, elles sont cuites. Donc je vais vous faire voir de suite à la caméra. Alors, du coup, voilà, donc ça donne ça en fait. Donc c'est les feuilles de briques qui sont cuites et collées en fait. Et juste derrière, on va les faire refroidir. On les laisse juste à température ambiante. Et au dernier moment, avant de dresser, on viendra juste les couper un petit peu. Donc nous, ce qu'on appelle parer. Et pour avoir une belle forme rectangulaire. Donc voilà. Alors on peut complètement utiliser d'autres agrumes. Donc par exemple, on aurait pu penser à du citron vert qu'on n'a pas utilisé. La Mebouda également. Donc c'est un agrume un peu moins connu, ou le kumquat également. Et du coup, je fais un bisou à ma maman qui est en direct du live. Qui est l'auteur de cette question. C'est ça, si on peut préciser. Et du coup, Paul, monsieur le copilote, pour nous rappeler, tu avais collé les feuilles de briques avec quoi déjà? Alors j'ai fait fondre juste tout simplement du beurre doux en fait. Je l'ai juste fait fondre. Et après, en fait, en appuyant avec deux plaques nous, ça s'appelle plaque à pâtisserie, donc plaques qui vont au four, tout simplement. En appuyant justement sur ces plaques, ça collera naturellement. On a Maxime Rodrigue qui vient m'embêter encore. Avec une blague de mauvais goût. C'est pas le moment, on est dans un milieu professionnel, Maxime. Et ça reste en privé, ça. Qu'est-ce que tu nous fais du coup Là, je suis en train de faire brunir mon sucre, il y en a pour un petit moment, donc voilà, on le laisse tranquillement. Ok, donc ça sera du coup pour le caramel d'agrumes, c'est ça? C'est ça. Ce qu'on peut même faire pour, en même temps, direct, on peut rajouter un peu de sucre. Oui, légèrement là. C'est ça. Du coup, on a déjà commencé la cuisson. On a Mathieu Frey qui nous demande, vous faites combien d'étages dans votre millefeuille avec la crème? Du coup, on aura donc la base. Donc avec notre feuille de brique, puis on aura de la crème, de nouveau une base de feuille de brique, et on finira juste avec de la crème dessus pochée autrement. Mathieu qui est un peu impatient, il voulait dessert, pas... On sait Mathieu que ce dessert te passionne. Je pense que Mathieu a faim en fait. Et j'espère qu'il fait la recette en même temps que nous, chez lui à la maison. Parce que tous nos spectateurs sont évidemment des spectateurs assidus, comme on l'avait dit. Et vous faites évidemment tous la recette en même temps que nous. Et vous pouvez même la refaire à la maison plus tard si vous avez besoin, parce que le live sera en replay sur la chaîne de l'Institut Paul Bocuse. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu surtout et à vous abonner. On a Mathieu Frey qui nous demande si on se coupe souvent en cuisine ou si on a des anecdotes. Je laisse le pilote répondre. Alors donc je mets juste mon caramel de côté parce qu'il est quasiment prêt. Donc pour répondre, je ne me suis pas coupé souvent en cuisine, ça m'est juste arrivé une fois, donc c'était en première année. On a ce qu'on appelle les semaines d'apprentissage à l'institut, et c'était la semaine poisson, où le couteau a dérapé et j'ai eu le droit à 3 points de suture. Voilà, je voulais pour tout savoir. Et c'est du coup, c'est Mathieu, celui qui a commenté, qui m'a amené aux urgences. Du coup, je te remercie encore Mathieu pour cette fois. Alors, J'ai l'impression que Mathieu a fait un peu exprès de poser cette question. Je pense. Ouais, je pense.
Clément Forestier qui nous dit donc Paul pourquoi il nous dit y a-t-il une raison de ne pas débarrasser la crème sur une plaque pour accélérer le refroidissement? Alors c'est vrai, on aurait pu complètement mais aussi la mettre dans du papier film, sauf qu'on n'avait pas de plaque à disposition, donc on a fait avec comme on a pu avec les moyens du bord. Et je te passe bien le bonjour Clément aussi, j'espère que tu regardes bien le live. Et toi, est-ce que Paul, donc notre copilote, est-ce que tu as une petite anecdote à raconter sur une coupure Alors, anecdote pas vraiment, on se doute que beaucoup de coupures sont liées à l'inattention, hein, à la fatigue notamment. Mais anecdote, j'ai jamais eu de grosses coupures comme Paul à partir à l'hôpital me faire recoudre. Du coup, là, mon caramel a commencé à brunir. Du coup, là, je le laisse finir et je vais donc ce qu'on appelle nous déglacer avec mon jus d'orange. Donc, pour créer le caramel d'agrumes. C'est enfin, du coup un caramel d'orange. Et est-ce que quand tu vas déglacer, ça risque d'accrocher du coup le sucre? Le sucre risque de former une boule ou pas? Non, pas forcément. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Hop. Et si oui, est-ce que c'est grave ou au contraire plus tard Non, le but c'est là, c'est en refaisant chauffer, normalement il n'y aura pas de soucis. Quelques minutes après, ça va du coup donner un liquide totalement homogène. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ce qui se passe là, mais normalement il ne doit pas avoir de soucis. Est-ce que vous vous expliquez régulièrement, des recettes entre vous ou entre amis? Je pense que oui, je pense qu'on communique assez quand si on trouve une recette ou par exemple Paul qui est un. Je pense que Paul a pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Oui, ça arrive de discuter très récemment avec par exemple Aurélien et Mathieu. On a discuté sur notre futur menu à Expérience qui est en gros un restaurant d'application de l'Institut Paul Bocuse où les deuxième année et troisième année. Viennent se former et viennent créer un peu leur menu, leur carte. Et même pour les troisième années, ça représente un projet de fin d'études en fait, qui est autour de la création d'un concept. Donc là, je vais tailler du coup mes lardons donc pour mes carbonara. Donc malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas pu trouver de guanciale chez le boucher. On dirait que ça accroche dans la casserole. Non, tout va bien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait un essai sur la recette et il n'y aura pas de soucis. En fait, c'est une réaction normale parce que en faisant un chaud froid avec le jus d'orange et le caramel va ce qu'on appelle cristalliser. Donc en fait, la cristallisation du caramel, c'est le sucre qui est fondu et liquide qui va devenir dur. Voilà. Et du coup, en réchauffant, on n'aura pas de soucis. Du coup, c'est simplement un choc de température qui fait que ça durcit. Exactement. On se complète vachement, les gars. Moi, voilà, tout à fait. Franchement, on donne des infos assez précises. On a Stanislas qui nous demande « Les cheveux de Loris sont naturels ou s'agit-il d'une permanente ?» Donc, à tous les haters, mes cheveux sont naturels et vous êtes juste jaloux. Et je mets une crème à l'avocat aussi dessus, c'est pour moi. Donc là, je suis en train de tailler mes petits lardons. Donc, les lardons, hein, c'est... Tout le monde les aime différemment. Moi, je les aime bien petits, et bien revenus, et bien sautés. On a une question, je crois. Pour notre chef. Non, c'est plutôt des cuirs. Je crois qu'elle a raison. En effet, je crois que j'ai fait une petite erreur. Mais en effet, c'est deux techniques qui se ressemblent assez. Enfin, je crois que tu vas un peu taper sur les doigts. Je pense, ce soir, je vais faire taper sur le dos un peu. Maman va pas être contente. Non. Donc voilà, donc là j'ai fait donc mes tranches de lard hein, et là du coup je vais les couper. Non, normalement on ne peut pas remuer le caramel, mais là je le faisais un peu pour décrocher donc tous mes sucres qu'il y avait au fond et là je vais le laisser réduire. Mais si oui, je sais qu'il y a un risque, mais j'ai perdu le nom. Si Paul tu le sais peut-être ou Joris, quand tu remues trop le caramel. Oui, ça peut le nom technique, on a un nom technique en pour cuisine ça. Pour quand on remue le sucre trop souvent, il va en fait... Il va pas accrocher, mais en fait, il va... Je ne sais plus. En commentaire, je sais que Mathieu est très fort sur les techniques. Oui. Du coup, aide-nous, Mathieu. On t'a aidé sur ton premier live. Alors du coup, nous, maintenant, on a besoin d'aide. Aide-nous sur le nom. En plus, Mathieu qui est assez bavard, donc on t'attend au tournant, là, s'il te plaît. On a besoin de toi, soldat. Donc, pour revenir sur les petits lardons, si chez vous, vous avez des lardons déjà, vous achetez déjà des lardons dans le commerce fumés, salés, Ce qui est bien, c'est de les blanchir. Donc en fait, blanchir des lardons, ça va être les faire en fait bouillir à partir d'eau froide, juste dans de l'eau.
Eh bien, les rincer derrière et les sécher pour les faire sauter, pour enlever ce côté trop fumé et trop salé. Ok. Et du coup, toi, t'en es où Moi, du coup, mon crème est en train de continuer de faire. Là, je vais voir si ma crème pâtisserie est froide pour pouvoir incorporer donc ma crème fouettée qu'on a montée au préalable pour donc créer une crème diplomate. D'accord. Donc, pour la crème fouettée, tu l'as montée du coup jusqu'à consistance bec d'oiseau, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, bec d'oiseau, si c'est pour vous montrer. Excuse-moi. Vas-y. Tu cherches quoi, Paul? C'est quel prix? C'est pas celui-là? Si, c'est celui-là. Heureusement que tu l'as. C'est ça, tout à fait. Donc, la consistance bec d'oiseau. Voilà. Donc là, on a presque, je vais la remonter un peu. On va la remonter un peu. Pour lui redonner la texture. Là, elle est un peu descendue, mais du coup, pour donner la consistance, bah, de toute façon, on le verra après. On a Vincent Bretonneil qui dit « Moi, c'est moins fun ce soir, c'est gratin de chou-fleur, œufs durs, pommes de terre. Juste un conseil pour le temps de cuisson, s'il vous plaît. Pour le temps de cuisson de quoi? Il y a plusieurs temps de cuisson. Alors, le temps de cuisson, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais que Vincent, du coup, me précise le temps de cuisson de quoi? Des pâtes, des lardons et tout ça. Mais je me ferai un grand plaisir de lui répondre. Et concernant son gratin de chou-fleur, on a tous des épreuves difficiles dans la vie. Et c'est juste un repas, ça va aller. Et puis tant qu'on met de l'amour dans ce qu'on fait, même un gratin de chou-fleur peut être très très bon. Et petite dédicace aussi du coup à Aurélien. Parce que Paul Rouquet est en train de remonter la crème un peu à la main. Ah, c'est massé. Caramel, c'est massé. Voilà. Mathieu. Ah, voilà, merci pour, Mathieu. Pour l'histoire du caramel tout à l'heure. Voilà. Et du coup, dédicace à Aurélien. Voilà, ma crème a quasiment obtenu. On est quasiment sur une texture. On est quasiment sur une texture avec d'oiseau. Et du coup, on remercie aussi donc Nicole, ma maman, qui nous a aidé sur ce terme technique qu'on avait tous les trois oublié. J'espère que chef Boivin ne regarde pas. C'est ça. On espère que notre chef et directeur des arts culinaires ne regarde pas trop. Sinon, le passage en troisième année sera compliqué. Donc là, vous mettez, pour faire sauter les lardons, les faire revenir. Du coup, juste donc un peu de matière grasse. Hop, donc, ouais, légèrement là. Ouais, légèrement. Le beurre c'est la vie, la crème c'est la vie. Je dis pas ça parce que je suis normand. Du coup, un petit peu juste de beurre. On va mettre du coup les lardons une fois que le beurre sera bien moussant. Il faut bien gérer en fait la coloration du beurre parce qu'en fait le beurre est une matière grasse qui va brûler très rapidement. Donc là, je suis en train, parce que du coup, ma crème pâtissière a refroidi, du coup, je suis en train de la lisser pour lui redonner une bonne texture. Ça sent super bon, mais on ne sait pas trop comment il le sait, mais en espérant que ça soit. Ah, du coup, merci Raphaël, donc notre responsable campus, qui nous dit que ça sent super bon. Ah, ok, d'accord. Notre magnifique responsable campus. C'est bon, le caramel. Donc là, je fais bien revenir, donc, mes oignons. Mais lardons, pardon. T'as des beaux oignons. Hein, ouais, des très beaux oignons. Magnifiques. Tu les fais à blanc, en vrai, mon chef? Je les fais cuire. Et du coup, tu les as pas fait blanchir Non, je les ai pas fait blanchir parce que j'ai acheté de la poitrine de porc, nature, donc ni salée, ni fumée. Donc je peux me permettre en fait de les assaisonner légèrement en fait avec un tout petit peu de fleur de sel, mais vraiment un tout petit peu. Et du coup, juste un petit conseil pour que ce soit peut-être un peu moins gras. Le beurre ou l'huile avant les lardons, c'est pas forcément toujours nécessaire. Après, bah, nous on va se faire un peu plaisir sur les pâtes carbonara, donc voilà. Mais si vous voulez cuisiner un peu moins gras, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On a Mathieu Frey qui nous demande l'origine de la crème diplomate. Oula, mais Mathieu, si tu la connais, dis-la nous parce que moi j'en ai aucune idée. Paul peut-être ou non, Doris. Ça, c'est donc crème diplomate, donc c'est une crème basique en fait de pâtisserie. Qui a été inventé il y a très longtemps, au peut-être 18 ou 19e siècle, en France. Donc la France est connue pour ses pâtisseries. Donc voilà, donc c'est un basique très ancien, la cuisine française. Merci Jamy. Avec plaisir. C'est une encyclopédie. C'est ça, pas du tout. C'est l'encyclopédie de la cuisine. Il connaît tout sur tout. Donc, en même temps que je fais suer mes lardons, je vais aussi préparer mes copeaux de parmesan. Donc, je vais réaliser à l'aide d'un économe. Et je vais râper aussi mon parmesan pour réaliser ma sauce carbonara. Donc, voilà. On a Charline Bontemps aussi qui nous dit
T'es beau, Paul, et ta maman n'ose pas nous le dire. Du coup, non. De toute façon, on le savait déjà. Donc, Je fais un bisou à Charline, en fait, qui est ma coiffeuse. Qui est ma coiffeuse à domicile sur Cannes. Donc je lui fais de gros bisous et je fais des bisous aussi à ma maman en même temps. On lui fait tous des bisous. Ouais. Pas trop quand même. Et du coup, Paul. C'est ça. Du coup, là, j'ai commencé à incorporer ma crème chantilly, ma crème fouettée, excusez-moi. Et du coup, là, je suis en train d'obtenir une texture de crème diplomate en mélangeant le plus possible pour au maximum bien incorporer mes ingrédients. Ok. On a Amalia qui dit Hello le super trio, on sent une belle amitié entre vous, comment a-t-elle débuté? Alors, autour, je dirais, d'un apéro. Hein. Bah, je pense un peu comme toujours. C'est ça. Avec une consommation d'alcool toujours raisonnable, évidemment. Illimité. Et voilà, toujours jamais dans l'abus, de toute façon, nous. Non, jamais. Voilà, jamais. Et, avec modération. Avec modération. Bien sûr. Et sinon, véritablement, elle a débuté grâce à l'Institut. On oui, grâce à l'Institut, se côtoyer. Grâce à la super semaine d'intégration réalisée par notre magnifique campus. Mathieu Frey qui nous dit du parmesan, il est étonné. Et il nous demande pourquoi c'est pas du pecorino. Alors c'est du pecorino, mais je me suis trompé en le disant, mais c'est du pecorino. En fait, j'ai l'habitude de faire toujours chez moi avec du parmesan. Et là, aujourd'hui, j'ai dit je fais les vrais carbonara, donc je vais mettre du pecorino. Bon, en tout cas, on espère que vous passez un agréable live et que bon, vous nous bombardez un peu de questions, surtout Mathieu, on t'a à l'œil. Mmh. Et voilà, on a Vincent Bretonnet qui nous dit attention de ne pas faire encore masser le sucre. Non, c'est bon là, normalement, on a arrêté le sucre. Donc normalement, tout va bien, on a obtenu la bonne consistance. Donc là, il va redurcir un peu. Et si jamais il redurcit trop pour le dressage, on le remettra juste un peu à chauffer et tout ira bien. Voilà. Donc pour ceux qui avaient des doutes sur la réalisation de mon caramel, comme vous pouvez voir, il est terminé et magnifique. On a Stanislas qui nous dit quels sont les différents fromages qui composent la carbonara. Alors, moi j'en mets qu'un seul. Traditionnellement, ce qu'on m'a appris, c'était uniquement du pecorino. Après, voilà, il y a en Italie, on va avoir des millions et des millions de recettes de carbonara parce que c'est une recette classique. Comme nous en France, dans les familles françaises, on va avoir des millions de recettes de bourguignon, de blanquette. Et ben voilà, en Italie, c'est des millions de recettes de carbonara. Ou de tout type de pâte d'ailleurs, bien sûr. Donc là, notre pilote va finir sa crème diplomate, c'est ça? Donc là, c'est ce que nous appelle nous la mettre en poche à douille. Si à la maison, vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre une poche de congélation que vous prenez en angle et vous faites juste un petit trou au bout. Voilà. Tout donc, simplement. Ça fera exactement comme une poche. C'est ça. Et si vous n'avez pas le matériel, c'est pas grave. On peut toujours s'adapter. Donc là, j'ai terminé du coup de faire cuire mes lardons. Donc comme vous pouvez le voir, c'est légèrement gras, donc on va quand même venir enlever ce gras, hein. On va pas le garder. Donc on va préparer une petite plaque, un petit contenant et un petit papier sopalin. Et on va venir du coup égoutter, on va venir égoutter d'ailleurs, et enlever la graisse des lardons. Et on n'hésite pas à changer plusieurs fois justement ce papier. On a Mathieu Frey qui nous dit que le pilote cuisine extrêmement bien. Ah, merci beaucoup, mais je tiens à dire qu'il n'y a pas que le pilote, il y a aussi le copilote, car ils forment une équipe. Fabuleuse. Et puis je veux quand même dire qu'on a aussi un magnifique présentateur qui nous met vachement en valeur. Arrête. Donc voilà, là je vais changer du coup le papier sopalin, le papier essuie-tout pour pas citer de marque, pas faire démonétiser la vidéo. Du coup, je vais changer le papier pour enlever encore la graisse qui est en trop. On rappelle aussi, il y a le Instagram des 100 euros de cuisine. Si, n'hésitez pas, d'ailleurs je pense que vous trouverez le lien encore dans le chat. Directement mis par Raphaël. Et Roman nous dit que c'est elle et pas Raphaël. Ah mince, désolé Roman de cette petite. Roman qui est jalouse de ne pas obtenir tous les vues sur elle. Donc là pour les carbonara, vous pouvez du coup mettre à chauffer votre eau. Donc de l'eau salée. De l'eau salée, bien salée, pas trop parce qu'on a quand même les lardons mais quand même assez salée. Alors, on a souvent des recettes de grand-mère et des techniques de grand-mère qui disent de mettre de l'huile d'olive ou de l'huile. Ça n'a en fait aucun intérêt. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. C'est parce qu'en fait, l'huile est un corps gras. Donc, c'est de la graisse.
Et en fait, cette graisse va remonter à la surface vu qu'elle est plus légère que l'eau, en fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Ce qui est bien pour les pâtes, c'est de les cuire al dente, donc légèrement encore un tout petit peu croquantes. Et après, bien les rincer à l'eau chaude pour éviter justement que l'amidon, en fait, fasse coller toutes les pâtes. Donc voilà. N'hésitez pas à dire si Paul parle trop, enfin ce Paul-là. C'est ça. On sait que des fois, ça peut être un peu lourd, un peu étouffant, mais... Non, c'est ça. Ouais. C'est un peu un message personnel. Je te coupe un peu, Paul, parce que je parle un peu, mais je vais quand même parler un peu. Du coup, là, j'ai mis ma crème en poche, comme vous avez pu le voir, et je l'ai mis dans le coffret, vu que pour la sécurité alimentaire, voilà. On a Amelia aussi, Amalia, qui nous demande nos plats préférés de nos régions respectives. Moi, si je peux commencer, je dirais les quenelles de brochet à la bisque de homard. Et voilà, il n'y a pas mieux. Alors du coup, moi, il y a deux plats préférés, donc ils sont tous les deux originaires dans plus ou moins de l'Aveyron. Donc en premier, donc, c'est l'aligot, je pense que tout le monde le connaît, une purée dans laquelle on va additionner de la tome, de l'aïeul, donc dans le nord du département. Et également, il y a une deuxième plat que j'adore qui, lui, est nettement moins connu. Ça s'appelle la soupe au fromage. Donc, c'est à base de bouillon d'oignon, de pain et de fromage. Je pense que Paul, tu peux peut-être en parler un peu plus parce que tu l'as dégusté. Je peux attester de la soupe au fromage lors d'un séjour dans l'Aveyron où, en fait, Paul et ses parents, en fait, m'ont fait la soupe au fromage. Alors, quand je suis arrivé, honnêtement, c'était assez déroutant, on va dire. Parce qu'en fait, la soupe au fromage, c'est du pain avec du pain rassis. Moi, tu vas expliquer la recette, tu la connais mieux que moi. Oui, je pense. Du coup, c'est du pain rassis et on va faire des étages de pain rassis et de fromage, donc de gruyère ou de l'aïeul. Et on peut également, je sais que ma grand-mère a rajouté souvent du chou à l'intérieur. Après, on va venir mouiller avec donc, nos oignons qui auront bruni et on aura rajouté de l'eau, donc pour faire un bouillon. Et on va mouiller avec donc, notre récipient où il y a notre pain, notre fromage avec le bouillon d'oignon. Et on mettra tout ça au four à 180 degrés pendant une demi-heure environ. Et t'as oublié quelque chose d'hyper essentiel après la sortie du four. Ah oui, et après la sortie, merci Paul de me rappeler. Après la sortie du four, on l'a remis bien. Et normalement, si on a fait une très belle soupe au fromage, on doit être capable de la retourner sur elle-même sans qu'elle tombe sur la table. Ça a l'air bien léger, tout ça. Tout à fait, comme tous les plats à l'Aveyron. Et ton plat un peu que tu préfères dans ta région? Alors, du coup, un plat que je préfère dans ma région. Un plat, le problème, c'est que je suis trop gourmand. Donc, je vais dire plutôt un ingrédient. Donc, tous mes amis en ont marre parce que je fais que de parler de ça. Mais c'est la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, pour moi, ça me tient particulièrement à cœur. Et il n'y a peut-être pas aussi un autre légume, Paul, qui te tient particulièrement à cœur? Oui, mais ça, c'est l'asperge. Mais c'est normal, c'est très rare. La saison est assez courte. Et du coup, j'en profite et je saoule tous mes amis avec ça dès que c'est la saison. Et on avait un petit message de ton papa qui dit que tu parles beaucoup comme ta grand-mère. Alors, franchement, je vois pas du tout de quoi il parle. Ma grand-mère est très peu bavarde, tout comme moi. Donc je vois pas du tout de... On te croit en tout cas. Ça se voit. Oh bah oui. Mathieu Frey qui nous dit « On ne garde pas le gras de cuisson des lardons pour confectionner la sauce carbonara. » Non, moi on ne garde pas parce que ça va être trop gras en bouche. Déjà que le parmesan est quand même assez gras, on va pas se le cacher. On va avoir aussi les œufs. Parmesan ou pecorino? Pecorino, voilà, j'y arrive pas. C'est le pecorino, donc du coup quand je vais dire parmesan, pensez pecorino. Du coup, le pecorino qui est assez gras et aussi les œufs qui sont pas très légers, quoi. Et Mathieu Frey qui nous tacle bien dans les chevilles comme il faut et qui nous dit que traditionnellement, les Italiens le font. Alors, les Italiens, après, si, peut-être. Si je peux prendre la défense de notre fabuleuse équipe, c'est que nous, on avait quand même mis rajouté du beurre avant le lardon. Du coup, ça faisait un surplus de grain en plus. C'est ça. C'était pas seulement le grain en fait des lardons. Du coup, voilà. Après, le gras du lard, vous pouvez le réutiliser un peu comme la graisse de canard, en fait. Vous pouvez la réutiliser pour éventuellement faire vous mettez une petite goutte dans les légumes. Vous pouvez l'utiliser et pas l'acheter, en fait. Du coup, la gélatine, donc ça, c'est pareil, ça, c'est mon papa qui commente. Je pense bien à lui. Du coup, la gélatine, on l'a rajoutée. J'avais prévu 4 feuilles, j'en ai mis que 2 feuilles. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Et j'en ai mis que 2 feuilles parce que je sentais déjà ma crème était largement assez consistante. Très bien. Du coup, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Pour moi, je suis prêt, j'ai plus qu'à attendre Paul, qui est toujours un peu en retard. Alors, je prends mon temps, on a une heure ensemble, alors du coup, je prends mon temps de faire correctement les choses avec moi. Moi, il manque juste le dressage, donc j'ai mon caramel, j'ai ma crème, on a nos feuilles de briques juste ici qui sont prêtes. Voilà.
Et donc il ne manquera plus qu'à faire le dressage, sauf que donc pour respecter notre chronologie de repas, Paul dressera d'abord son plat et puis après je dresserai le dessert. Donc on va. D'ailleurs, est-ce que Paul, je peux peut-être t'aider à faire quelque chose? Ouais, on peut mettre à cuire les pâtes par exemple. Pas de soucis, si tu me dis où elles sont. Ah, c'est une surprise. Voilà. Elles sont cachées. Maxime Rodrigue qui nous dit: qu'avez-vous pensé de la prestation de Mbappé hier? Un peu décevant. Ouais, Kylian, si tu nous regardes, tu nous regardes forcément. J'attends plus de toi. Et un petit maillot aussi, Lyon, enfin, de l'équipe de France dédicacé. Ou du PSG au pire des cas. Non, j'ai non. Oui, vas-y, tiens, paf. J'attends mieux. Est-ce que. On met tout ou pas? Non, on met pas tout. Comme tu veux, Paul. Je sais que t'es gros mangeur, donc. Non, je suis gourmand, c'est pas pareil. On va mettre, voilà, pour faire une belle assiette. On va être généreux. Alors, du coup. On a Nicole Rouquier aussi qui nous dit: le copilote est plus light dans ses goûts. Alors, le light dans ses goûts, pas du tout. Comparé à l'aligot et la soupe au fromage. Oui, mais j'ai pas osé dire aussi qu'en Normandie, on avait des plats, des tripes à la mode de Caen et des plats, on va dire, un peu spéciaux, quoi. Alors là, pour les pâtes, du coup, on va les cuire 10 minutes à peu près. Une dizaine de minutes, voilà. Donc c'est nickel. On a du coup une grande pince. Vous, chez vous, vous pouvez prendre une fourchette. On a Mathieu Frey qui nous dit: sans la gélatine, elle peut garder l'appellation crème diplomate ou pas? Oui, totalement. Enfin, je pense. Je sais qu'on rajoute souvent, nous, j'ai pris une recette de l'Institut. Et souvent, parce que les pâtisseries elles vont servir, elles vont être servies dans plusieurs restaurants. Donc elles risquent de prendre un peu la chaleur des fois. Donc c'est pour ça qu'on rajoute de la gélatine pour que les crèmes tiennent bien. Mais sinon, on peut totalement faire une crème diplomate sans gélatine. D'ailleurs, je pense à l'époque où ils l'ont inventé, comme a pu nous le rappeler Paul avec l'historique, je pense qu'à l'époque, il ne devait pas avoir de gélatine. Il devait uniquement faire la liaison au jaune d'œuf et à la farine. Voilà. Ouais, donc ensuite, on n'oubliera pas aussi de mettre un peu d'eau des pâtes, du coup, dans la préparation, du coup, avec le jaune d'œuf et le parmesan, n'est-ce pas, Paul? Exactement. Non, le pecorino, le chef. Pecorino, le pecorino, exactement. Bien vu. Alors, donc, Clément, je vais te répondre. Du coup, j'ai pu le savoir parce que ma crème a le temps de refroidir. On l'a passée au frigo sur l'île de glace. Et du coup, ma crème était complètement froide. Et du coup, j'ai su que ma gélatine était prise. Donc là, je vais préparer du coup ma sauce du coup de carbonara. Donc, je vais sortir mes œufs que j'ai au préalable clarifié. Donc, j'ai séparé une partie des blancs des jaunes. Et j'ai aussi gardé des œufs entiers parce que si on va mettre que des jaunes, les jaunes d'œufs, en fait, la recette sera beaucoup trop lourde, en fait. On a Amalia aussi qui nous demande si un jour vous avez carte blanche sur un restaurant, quel serait votre concept? Pour moi, mon concept, donc tout dépendrait le type de restauration que je ferai, mais j'ai un concept peut-être que je montrerai jamais, mais un concept autour de la tartine uniquement. Voilà, Paul. Alors moi, un concept de restaurant, j'ai un concept qui... plus qui me plairait plus d'aller manger que de faire, ce serait un restaurant avec un énorme en fait brasero au milieu du restaurant. Donc en fait un brasero c'est en gros un énorme barbecue et en fait le but c'est d'être dans la convivialité avec ses copains et de passer un super bon moment. Donc voilà. Comme un peu toujours finalement au restaurant qui nous manque fortement. Ouais. On a Mathieu Frey encore une fois. Très actif, très très actif, Mathieu. Que signifie le terme al dente pour les pâtes? Ça signifie qu'elles sont complètement fondantes, qu'elles sont fondantes et c'est, on peut dire, le maximum de cuisson qu'on peut atteindre. Après, on parlera de pâtes trop cuites. C'est d'accord avec moi, Paul? Oui, c'est ça en fait. Al dente, on va avoir. En Italie, il la cuit tout le temps. Il est sous-cuise en fait. En gros, la cuisson pour les pâtes al dente, c'est de les sous-cuire légèrement pour avoir ce côté un peu ferme en bouche. Et après, en fait, de les cuire un tout petit peu dans la sauce, afin qu'elle puisse terminer de cuire et vraiment se lier correctement à la sauce. Donc, Paul, est-ce que tu peux me passer le fouet, s'il te plaît? Oui. Je crois que tu le rinces un petit coup, Paul, je pense. Oui. Le fouet. Merci. Donc là, donc, pour la sauce carbonara, je vais mettre donc, mes œufs avec mon pecorino et je vais bien correctement mélanger. Et après la cuisson de mes pâtes, je rajouterai un tout petit peu d'eau de cuisson afin, en fait, l'eau de cuisson est chargée de... Est chargé de. Ah, aide-moi, Loris. Je suis pas d'amidon. Ah, bien sûr. Merci. D'amidon, et en fait, la sauce sera liée.
On avait plutôt une question pour toi. Salut Polo, c'est Louis. J'ai pris un peu d'avance dans ta recette. Je rajoute la sauce sur les pâtes. À quel moment? Alors en fait, tu rajoutes pas la sauce sur les pâtes, mais tu rajoutes les pâtes dans la sauce, dans une poêle en fait. Et en fait, tu vas venir faire sauter tes pâtes. Et en fait, elles vont bien s'enrober de sauce. Et je lui passe le bonjour d'ailleurs à Louis. Et en tout cas, on est très content de savoir que vous réalisez la recette en même temps que nous. Avec nous, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et du coup, vous pourrez, n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer les photos des réalisations, de vos réalisations sur l'Instagram de l'Institut Paul Bocuse. Donc allez mentionner ou alors en mettant la petite vignette sur la photo d'Instagram. Un message privé. Ou à story, n'importe quoi vous voulez. Ils vous repartageront très certainement. On a Mathieu Frey encore une fois qui nous dit comment on vérifie la cuisson al dente. Avez-vous des techniques? Alors j'ai plusieurs techniques. Alors, une technique la plus simple, la plus basique, c'est de goûter, hein, tout simplement. Il n'y a rien de mieux qu'en goûtant. Ou sinon, il y a une autre technique qui est celle-là, plus humoristique, où en fait, il faut balancer contre un mur. Et si la pâte reste collée au mur, c'est qu'elle est cuite. Voilà. Mais ça, c'est plus la technique qu'il faut faire à la maison. Il faut éviter de faire ça dans un restaurant. Très bonne technique qu'on nous apprend, évidemment. Ou même à l'école. Si vous avez chef Boivin en semaine d'apprentissage, je pense qu'il faut peut-être éviter de faire ces techniques-là. Ah, ouais, moi, je pense que j'éviterais. Ça serait peut-être la bonne idée. Je pense qu'on pourrait essayer quand même. Du coup, maintenant, je voulais juste vous montrer la consistance du caramel que vous avez complètement. Donc voilà, on l'a laissé réduire. Le sucre a fait son action avec le jus d'orange. Montre l'autre sens. Ouais, oui, ça sera mieux. Même la cuillère, c'est... Voilà. Donc là, je vais me préparer à dresser en fait mon assiette de carbonara qui n'a pas tardé. Donc je me fais un endroit un petit peu propre. Paul, est-ce que tu peux mettre l'assiette creuse, s'il te plaît, dans le four? J'en profite pour lire la question de Maxime Rodrigue qui nous demande s'il y a un lien entre al dente et Al Pacino. Sont-ils frères? Oui, c'est le cousin germain de Al Pacino, al dente. Qu'on connaît très bien et qui vient souvent nous rendre visite à l'Institut d'ailleurs. Exactement. Donc les pâtes montent encore un tout petit peu. Du coup, comme l'a demandé Paul, je vais mettre les assiettes au four. Donc ça, c'est tout simplement, si vous n'avez pas compris la maison, c'est pour qu'elles soient légèrement chaudes. Et justement, par exemple, si on veut amener cette assiette en salle, ça permettrait qu'elle soit que donc l'assiette ne refroidisse pas le reste des aliments. Voilà. Maxime Audry, en tout cas, je me vengerai de toutes ces questions. Ces questions. T'inquiète pas. Donc là, j'ai sorti du coup ce qu'on appelle un sautoir en fait. Donc c'est une casserole ou une poêle, un sautoir, nous c'est un sautoir dans le terme culinaire. Donc c'est une casserole basse avec les bords droits. Donc voilà. Et pourquoi prendre un sautoir et pas une sauteuse? Alors pourquoi prendre un sautoir et pas une sauteuse? Parce que j'avais un sautoir et pas de sauteuse. C'est ça, on aurait pu. C'est un très bon argument. Si à la maison, je te complète Paul, si à la maison vous n'avez pas de sautoir ou de sauteuse, n'hésitez pas à prendre une poêle ou même à la limite une casserole si vous n'avez rien d'autre. Mais comme on dit, il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que du mauvais cuisinier. Exactement. Donc là, je vais préparer un tout petit peu de ciboulette ciselée pour mon assiette, pour faire un petit peu de couleur verte, pour amener un peu de fraîcheur dans ces pâtes légèrement grasses, on va dire. Et dis-moi, mon chef, est-ce que tu as une petite astuce pour la ciboulette ciselée, pour la faire bien régulièrement, bien fine? Alors, tout simplement, en premier, un couteau qui coupe. Déjà, ça, c'est la base. Sinon, en fait, ça va vous écraser la ciboulette. Et en fait, il faut bien tasser la ciboulette pour avoir justement le même niveau en fait, de chaque tige partout. Et là, après, il y a juste à faire ce mouvement de scie, en fait. Et en faisant ce mouvement de scie, ça va se couper tout seul. C'est génial. On sent... Paul, peut-être décale un peu ta plage pour offrir à nos téléspectateurs une meilleure image. Bien sûr. On voit pas. Ouais. Là, je pense qu'on devrait voir un peu mieux. Donc... En fait, il faut faire ce geste-là, faire attention à ses doigts, et après, ça revient tout seul. Du coup, j'ai vu qu'on avait une question de Mathieu Frey, encore une fois, pour savoir qui était le commis de qui. Donc, la question, c'était Paul et le commis de Paul. Donc, ça ne nous aide pas trop, Mathieu. C'est véridique. Mais voilà, c'est véridique. Paul est le commis de Paul. Mais maintenant, essayez de choisir quel est le commis de Paul. Non, mais voilà, aujourd'hui, on n'était pas dans ce type de concours-là, si on peut dire ça comme ça. De toute façon, on a fait, de manière générale, l'Institut, il n'y a pas vraiment de compétition. Non, il n'y a pas vraiment de compétition. Et du coup, moi, vu que j'ai moins parlé de Paul, j'ai plus avancé en cuisine. Et Paul, vu qu'il a trop parlé, il est en retard maintenant. Voilà, c'est un peu le problème de ma vie générale, on va dire. C'était prévisible. Voilà, donc là, je réserve ma ciboulette, je la mets de côté. Les tiges, on va les garder pour plus tard, pour la maison, pour faire une sauce de salade, par exemple. Ça peut toujours...
être sympa. On peut aussi faire des huiles de ciboulette, donc mixer de l'huile neutre, donc pépins de raisin, avec ces tiges de ciboulette pour réaliser après une huile de ciboulette qui est très sympa pour les vinaigrettes. Donc là, on va contrôler la cuisson. Je vais sortir assez du four, peut-être. Oui, je veux bien. On va bien contrôler la cuisson des pâtes. On va goûter. Loris, est-ce que tu veux goûter la cuisson des pâtes? Non, ça va. Je préfère. Tu veux pas goûter? Je préfère goûter une fois que tout est terminé. Et c'est d'ailleurs très agréable d'être à vos côtés parce que en ne faisant pas grand-chose, je vais quand même goûter un plat excellent. Ah, on ne sait pas si ça va être excellent. Quand c'est les deux pôles qui cuisinent, généralement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, chef Paul, est-ce que tu peux me prendre une petite passoire, s'il te plaît, pour égoutter les pâtes? Oui. Qui est derrière au niveau du... qui est derrière? Juste derrière, en dessous, à côté de l'évier. Donc là, comme je vous le disais précédemment, on va récupérer une partie de l'eau de cuisson de ces pâtes, donc avec une louche que je vais trouver. Ça, c'est les aléas du direct. On cherche notre matériel. Elle est là. Je t'ai pas trouvé de passoire, j'étais chinois, est-ce que ça va t'aller, Paul? Oui, ça va être nickel, chef. Comment s'appelle cette grande pince? Donc je pense qu'on parle de celle-ci. Oui. Une pince de dressage, je pense que ça serait le plus simple à appeler comme ça. Oui, c'est. Je pense pas que ça a vraiment de nom. Non, nous on va appeler ça pince de dressage. Ouais, il y en a à différentes tailles. Et, bon, forcément, on va plutôt appeler ça petite ou grande pince. Celle-ci est forcément très grande pour dresser. C'est ça. Mais. Ici, par exemple. Ouais, voilà. Par exemple, on a cette taille, on a encore intermédiaire. On a encore intermédiaire, et puis même celle-ci doit avoir plus petit encore. Ouais. Voilà, moi j'ai une intermédiaire droite aussi, il y a plein de formes, plein de couleurs. Et c'est, pince différente. C'est très efficace pour du coup toutes les finitions. C'est notamment dans le dressage des assiettes. Toutes les finitions, et ça permet d'être beaucoup plus précis dans le travail. Donc là, j'ai récupéré du coup une partie de mon eau de cuisson de pâte avec mon parmesan. Là, je vais remettre un peu de parmesan en plus parce que c'est. De parmesan, de pecorino. Je vais pas y arriver vraiment, c'est pas mon soir. Voilà, je te laisse continuer Paul. Ouais, du coup, là j'ai mes lardons qui sont dégraissés, que je vais ajouter dans ma préparation sauce. Du coup des jaunes. Dans ma et sauce, mes jaunes d'œufs, mes œufs entiers, plus le pecorino. Mon pecorino, j'allais dire parmesan encore. Ouais. Alors, je t'ai repris. Oui, merci beaucoup. Là, je vais du coup récupérer encore une partie d'eau de cuisson de pâte au cas où j'ai besoin de rectifier. Pour ajouter un petit gras ou un peu moins, c'est voilà. Ça, si je ne me trompe pas. C'est pour être sûr en fait de pas me louper. Si après j'ai plus d'eau de cuisson de pâte, je me suis fait avoir et j'ai plus rien pour me sauver. Donc là, on va débarrasser du coup les pâtes dans le chinois, tout simplement. Voilà. Donc là, comme je disais tout à l'heure, bien penser à rincer à l'eau chaude, directement l'eau chaude vos pâtes. Et pourquoi faut-il vraiment rincer les pâtes? Parce qu'en fait, si vous les laissez comme ça, elles vont coller entre elles. D'accord. Donc on a encore une question de Mathieu Frey, je te laisse la poser, Loris. Alors, vous faites des concours de cuisine entre vous, hors institut ou pas? Non, mais par contre, on va souvent se retrouver les week-ends, donc chez des amis à nous, ça dépend, pour faire des gros repas où chacun va faire quelque chose. Après, niveau concours de cuisine, on a eu quelques challenges, entre guillemets. Pendant le premier confinement. Voilà, le premier confinement, je vais te laisser expliquer. C'est ça, notamment. Donc, un premier challenge qui était organisé par l'Institut et qui était ouvert qu'aux élèves, aux étudiants et aux collaborateurs de l'Institut. Donc, le premier, je crois que c'était sur l'asperge, le pain et l'œuf. C'est ça. Il y en a eu un deuxième sur la pâtisserie, donc à base de fraises. Et le troisième, c'était autour du chocolat et autour de la salade de la mâche également. Voilà. Donc, et il y avait des lots assez intéressants pour les gagnants et il me semble qu'il y a eu pas mal de participants. On a Léa Badawi qui nous dit « Super trio, très agréable à écouter et très pédagogue ». Merci ça, beaucoup. Je pense que c'est essentiellement grâce à moi. Ouais. Après, merci Loris de nous… Voilà, merci. Mais merci de nous proposer un show d'une qualité quand même assez élevée. Donc là, j'ai récupéré ma sauce au fur et à mesure. Parce que si vous mettez trop de sauce, il va y avoir trop de sauce dans l'assiette et ça va baigner en fait dans la sauce. Donc vaut mieux en rajouter au fur et à mesure et justement gérer la quantité de sauce par rapport au liquide, par rapport aux pâtes, pardon. Donc là, je vais faire du coup un peu sauter mes pâtes pour terminer en fait leur cuisson dans la sauce.
Est-ce que le but de cette action-là, c'est d'aller cuire le jaune ou simplement qu'il soit liant Non, en fait, je vais cuire les pâtes à en dessous de 85 degrés. En fait, 85 degrés, pourquoi? Parce qu'en fait, au-dessus de 85 degrés, l'œuf va ce qu'on appelle cuire et coaguler. Donc, c'est les protéines de l'œuf, du jaune, qui vont cuire et c'est en fait c'est ce qui va donner une sauce grumeleuse en fait. Donc voilà. ça rejoint un peu l'action de Mathieu. Le fait de mettre la sauce au début dans le sautoir ne risque pas de faire coaguler les œufs. Non. Non, parce non, que justement. Il faut juste surveiller donc, la température. Donc pour ceux qui ne savent pas, les œufs, on va dire que les œufs coagulent à 65 degrés. Et à un cas où on les met avec du sucre, donc par exemple, comme pour ma crème bâtière tout à l'heure, ils vont coaguler à 85 degrés. Donc voilà, donc là, il faut juste qu'il surveille bien la température de son sautoir et normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc ces pâtes sont normalement bientôt finies. Donc du coup, on va pouvoir passer à la dégustation et derrière, on passera directement au dessert. Donc, là, on va prendre donc nous une assiette creuse. Une assiette creuse, pourquoi? Parce que c'est plus sympa avec des pâtes. Je trouve ça un peu plus intéressant, plus joli. On a décidé de prendre cette assiette en fait, puisque déjà elle est noire, comme vous pouvez le voir, et on voulait un contraste de couleur, du coup qui est assez intéressant pour faire sortir justement une belle couleur. Et une assiette creuse et ronde pour des pâtes. Et c'est le plus simple de dressage, ouais, c'est comme ça qu'on le voit dans de nombreux restaurants. Dans de nombreux restaurants, on n'a pas cherché à prendre de risques, on a joué plutôt classique. Des fois, on nous demande la prise de risque, mais il y a aussi des fois où je pense qu'il faut savoir rester, rester à les classiques et rester dans ce qu'on se connaît. Donc, comme pour nos examens finaux, par exemple, deuxième année, où on avait des recettes à réaliser et voilà, fallait pas forcément aller chercher compliqué ou quoi. Il faut rester dans la simplicité. Donc, on a Maxime Rodrigue aussi qui nous dit, excuse-moi Paul, si vous n'étiez pas cuisinier, qu'auriez-vous fait? C'est une très bonne question. Pas grand chose certainement. Mais du coup je vais répondre pour ma part. Moi je pense que je serais parti dans la santé, peut-être médecin. Bon après j'avais pas du tout le résultat scolaire pour arriver à faire ça. Et puis la cuisine ça avait quand même toujours été ma première passion. Non, sinon moi j'aurais dit journaliste, je me plais bien dans ce rôle de présentateur. Ou peut-être aussi dans le commercial, mais le commercial rejoint aussi un peu tout le côté de la restauration. Donc voilà. Ok. Donc là, je vais dresser du coup mes pâtes. Donc je vais prendre ma pince et en fait là, je vais venir en fait rouler mes pâtes à l'intérieur de ma louche en fait pour avoir une jolie forme. Et là, je vais venir tac. Les déposer tranquillement, joliment. Voilà. Je vais venir mettre avec une cuillère mes lardons. Ou mon bon châle si vous n'avez pas de lardon. Qui nous dit merci les Paul, on va se régaler, famille Pérez de Cannes. Donc je pense que c'est pour Paul justement. La famille Pérez de Cannes. La famille. Oui, je connais. Donc voilà. Là, je vais venir rajouter mes petits lardons. Du coup là, pourquoi tu n'utilises pas une pince, Paul, au lieu d'utiliser la cuillère? C'est voulu ou... Bah, c'est plus simple, on va dire, on va en prendre plus avec la cuillère. Là, je suis généreux en lardons. Parce que vu que je sais que tu es un grand fan d'utiliser les pinces. Voilà, je vais l'utiliser juste pour te faire plaisir. Voilà. Peut-être ensuite. Aussi, ouais, ça aurait été peut-être un peu long de mettre un lardon un à un. J'espère qu'on a des spécialistes en espagnol par ici. Oula. Ça se trouve qu'elle vient de nous dire qu'on a massacré. C'est peut-être Margot. Si c'est Margot, on espère qu'elle puisse le traduire en français, ce serait gentil. Du coup, je comprends que le dernier mot, moi, Estituto. Donc, Estitut, je pense. Ça se trouve, elle vient de nous dire qu'on a gâché totalement les carbonara. Voilà. Donc là, je vais venir mettre avec ma petite pinte joliment et faire un peu de volume mes copeaux de parmesan. Je vais venir mettre un tout petit peu de ciboulette, comme ceci. Pour la verdure. Pour un peu de couleur estivale. Et là, on va venir enlever les petits derniers morceaux de ciboulette. Si vous êtes dans un restaurant, nous, ce qu'on nous a appris à l'Institut, c'est de faire les bords d'assiette. Les bords d'assiette, du coup, de la... Bon, l'assiette avec un peu de vinaigre blanc que j'ai préparé en amont. Paul a tout prévu. Professionnel. Voilà. On te remercie, Paul. On est extrêmement professionnel ici. Voilà. Et là, hop, on va venir nettoyer juste l'assiette comme ça. Et là, on va pouvoir déguster. Bon, voici, si vous voulez. Voilà l'assiette. Donc, ma version des pâtes carbonara. Les vrais carbonara. La version originale des pâtes carbonara.
Donc je pense qu'on pourra passer au dressage du dessert du coup. On va peut-être juste déguster, non? Rapidement. Vous voulez déguster? On passe au dessert comme vous voulez. Et on passe au dessert et on dégustera tout en même temps. Allez. Allez, c'est parti. Là, je te laisse faire, Paul. C'est ton domaine. Merci, mon cher. Ah. Donc du coup, j'ai ressorti donc, ma crème diplomate. Donc je vous le rappelle encore une fois, ma crème diplomate, c'est une crème pâtissière dans laquelle on a additionné de la... on additionne de la crème fouettée. Et donc on remercie donc notre commentaire en espagnol qui nous dit qu'elle adore cet institut et on espère pourquoi pas vous voir un jour dans cette magnifique école. Du coup, tu peux finir d'expliquer ton dessert. Du coup, je continue. Donc voilà, donc comme je dis pour la crème, je prends mes feuilles de brique. Hop, et là, je vais tout simplement venir couler. On a Josiane Corburion, pardon pour la prononciation, qui nous dit gourmand comme papy. Ah, ça, je crois que c'est malheureusement héréditaire. C'est de père en fils et de grand-père en petit-fils et c'est familial. Donc aussi, malheureusement, on n'avait pas forcément les douilles adaptées. Oui. Du coup, c'est peut-être pour ça que... C'est ça, on a quelques petits soucis, on a oublié de prendre les douilles. Notre pilote va peut-être avoir un peu de mal. Mais il faut le pardonner, c'est un manque de matériel. Et normalement, si vous en avez chez vous, ce sera beaucoup plus facile. On vous conseille aussi de, si c'est pas trop tard, on vous conseille de prendre des douilles rondes, des douilles lisses. Des douilles lisses, du coup, justement, pour avoir un plus beau dressage. Et, ça sera nettement plus simple. On a Mathieu Fray aussi qui nous demande vous parlez d'autres langues que le français et la véronais pour Paul. D'autres langues, du coup, à l'Institut, on a des cours d'anglais et d'espagnol. C'est pas la matière où vous excelle le plus. Après, peut-être Paul, je peux te laisser. Alors, moi, l'anglais, on va dire que je vais me débrouiller sur certaines bases. Après, ça va pas être la langue où je suis le plus performant. Après, on a à l'Institut, donc comme Paul disait, on a des cours d'anglais et d'espagnol, mais pas que. On a aussi des cours d'arabe. Des cours d'arabe et des cours de français aussi pour les étudiants non francophones. On a un petit souci technique, Paul. Je voudrais bien savoir si tu as mis le caramel d'orange, s'il te plaît. Le caramel d'orange, il est là, je l'ai rangé derrière. En attendant, du coup, pour l'Institut, on a beaucoup de cours d'anglais. On a aussi des cours de management en anglais. Et aussi, par exemple, pour la deuxième langue, on a plusieurs niveaux, par exemple, de langue. On a l'espagnol pour les gens qui parlent plutôt bien la langue. Et pour ceux qui débutent, on a par exemple dans ma classe, moi je suis pris espagnol niveau facile. J'avais des gens qui n'ont jamais parlé espagnol. Et du coup, bah, c'était beaucoup plus facile pour eux que direct dans un cours où on a tous le même niveau et ils auraient été totalement perdus. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il est en train de faire réchauffer le caramel et on n'aura plus qu'à finir. Voilà. Et on a Stéphane Larson aussi qui dit bientôt à Top Chef. Oula, bientôt à Top Chef, ça je sais pas, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Top Chef, c'est pas l'émission qui me tente le plus, mais pourquoi pas, on sait jamais. Donc voilà. C'est peut-être surtout, c'est très médiatisé Top Chef. C'est très médiatisé, voilà. Je pense aussi, donc c'est très médiatisé, et puis c'est, on va dire, c'est un peu de la télé-réalité. Ouais. Mais c'est aussi quand même, il faut voir que c'est une magnifique vitrine pour d'autres métiers. Et donc, ça donne peut-être envie à des jeunes de venir rejoindre des écoles hôtelières. Bah forcément, ça met la lumière sur des cuisiniers cuisinières qui n'étaient pas du tout connus et qui aujourd'hui sont... C'est ça, oui, je pense aussi c'est un lanceur de carrière énorme qu'on a pu le voir avec selon les personnalités ou quoi et voilà. Après faut voir quand même que le niveau ces dernières années a augmenté, a vraiment énormément augmenté. De base Top Chef c'était un concours pour amateur plutôt. Non, tu te mélanges avec Masterchef, donc qui était sur TFM et qui n'a pas duré très longtemps. Et après Top Chef, je sais que depuis le début c'était réservé aux professionnels. Ok. Mais du coup, je pense quand même que depuis quelques années, le niveau ne fait qu'augmenter. Vas-y, juste en verre. On a notamment des chefs étoilés qui se présentent dans ce concours. Donc forcément, ça fait rêver. Donc là, je vais venir du coup déposer le caramel d'agrumes que je fais légèrement chauffer pour en fait avoir cette consistance plus liquide, parce que le caramel durcit légèrement, il épaissit. Et on a Marisa Mosquera et qui nous remet un message en espagnol. Si elle pouvait le traduire comme tout à l'heure, on aimerait bien parce que... Ce serait gentil pour nous.
profil. Ah non, c'est bon. Voilà, là on va venir faire des petites stries en fait, tout au long du dessert. Voilà. Et donc moi, juste pour finir, avec donc ma microplane, je vais râper encore quelques zestes. C'est pour apporter un peu de fraîcheur en fait sur le dessert. De fraîcheur, et puis on reste toujours dans le même thème, donc quitter les agrumes dès le départ. Voilà. Et on va casser cette graisse, cette masse de sucre. Du zeste de citron vert du coup aussi pour apporter de la couleur forcément. Dans un dessert qui reste quand même assez monochrome. Voilà. Vas-y, je te laisse finir. Voilà, donc là, si vous voyez qu'on a légèrement des petits amas trop importants de citron vert, n'hésitez pas à utiliser une petite pince ou une cuillère si vous avez à la maison. Et voilà. Et on a là, du coup, la traduction de Maritza Mosquera, en sécurité avec plaisir, car j'aime cuisiner et je suis dans ce processus. Donc parfait. Et ben, c'est bien, la cuisine, c'est notre passion à tous. Toujours avec sécurité. Donc voici notre plat et notre dessert. Donc on espère que ça vous aura plu et on vous dit du coup à bientôt. Loris, je te laisse le mot. On va, voilà. On va déguster d'ailleurs. On va déguster quand même d'abord. On va déguster. Et je crois qu'on a une question de la Team Campus qui doit arriver. Ou... Je crois qu'on va peut-être inviter Roman du coup Roman, à déguster avec nous. Roman, on t'attend pour venir déguster avec nous. On a Simon Coste aussi. Cécile, il est avec nous, Roman. Dans les carbonara. Alors le poivre d'un carbonara, on n'est pas obligé. Moi, je suis pas trop fan de poivre, du coup, je vais en mettre juste légèrement pour faire plaisir justement à Simon. Donc, je vais juste poivrer en fait légèrement au-dessus. Léger. Voilà, léger pour le goût, comme on dit. Pour la carbonara, si vous voulez, vous à la maison, vous pouvez rajouter une petite écume de fromage, donc de parmesan ou même de pecorino. Donc, c'est juste du lait, de la crème et du fromage. Du coup, je pense que derrière vos écrans, vous pouvez applaudir donc Roman, qui est la stade de Vie Campus, qui est accompagné de Raphaël, donc qui est encore derrière son ordinateur. Et c'est elle qui organise toute la Vie Campus et qui organise également le social cooking où elle se met tant de mal à l'organiser toutes les semaines. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci beaucoup. Donc, on avait une question d'Anouk, je crois, non ? Oui. Sur le live. Donc elle arrive, t'es gourmand Larson, tu aimes la crème d'Isigny. Non, oui, j'aime la crème d'Isigny, parce qu'en fait j'achète que de la crème d'Isigny, j'achète pas d'autres crèmes et du coup tout le monde se moque de moi par rapport à ça. Donc voilà. Donc on va goûter, c'est ça. Dégustation, on va chercher des couverts peut-être, ce serait peut-être pas mal. Oui. Allez chercher les couverts. On en 4 vu qu'on a Roman avec nous pour déguster. Allez Roman, c'est bon, t'es venu. Faire un petit vidéo comme ça. Non, Roman reste avec nous. Donc on espère, c'est pas tout à fait la fin, mais on espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas. Si toi t'as un ressenti sur du coup ta réalisation. C'est autre chose. Et du coup, si t'as une petite autocritique à faire. J'ai adoré ce live. Et puis c'est une des premières fois où on peut réaliser quelque chose comme ça dans notre vie d'étudiant. Et je trouve ça super bien. Voilà. Et toi, tu as quelque chose à dire sur ton assiette avant de déguster ? Non, mon assiette, non. Juste, je voulais souligner ta magnifique coupe de cheveux. Voilà. Et puis ta magnifique prestation aussi. Voilà. Le nouveau Stéphane Rothenberg est parmi nous. Parmi nous. Donc voilà, on va passer à la dégustation. Top chef, la dégustation. Très bien. Bah, allons-y. Hein. Ouais. Allez. L'honneur aux dames, non ? L'honneur à Roman. Tiens, Roman, on t'a pris une cuillère et tout. Une petite fourchette, oui. C'est le goût en premier. Tout. Mais je passe le sucré, le salé d'abord et puis après le sucré. Je vais pas pouvoir mettre deux fois ma. Non, mais c'est qu'une fois. Okay. Ça semble délicieux, mais j'ai peur de. C'est tellement beau que j'ai pas envie de. Mais c'est pas grave, de toute façon, nous. Tu peux rouler en fait avec, voilà, avec une cuillère si t'as besoin. Non, mais regarde. Hop, pardon. C'est dur. Ça semble très bon, en tout cas, et c'était même d'ailleurs très beau, j'avais pas envie de tout défaire. Je goûte. Un avis à chaud ? C'est trop bon. Non. Trop plein de goût. Ça doit pas être très agréable de... Je marche en même temps. C'est vraiment super bon, très bien assaisonné. Manque un poil de sel. Un poil de sel ? Mais très bon. Vous en tout cas, puis la cuisson là des lardons... Excellent. Pardon, j'aurais dû en mettre mon masque. Pas de soucis. Voilà. C'est génial. J'ai vraiment l'impression d'être journaliste. Aussi. On te laisse goûter le dessert. Nous, on goûtera après hors caméra. N'importe. Prends une cuillère comme tu préfères. Je prends une fourchette. C'est aussi trop beau, d'ailleurs. Comment je fais comme ça ou je dois faire comme faut ça casser. N'importe, casse-le. Faut qu'il se casse. Je prends du caramel parce que j'adore ça. Par contre, c'est un truc que j'adore. On t'en donnera quand on va couper, nous en reste un peu. On met ça de côté et on le touche plus après. Oui.
Merci. Toujours dans le respect des règles sanitaires. C'est frais, c'est super bon. Bravo les garçons, c'est trop bon. Bon, merci. Ah, merci beaucoup. Merci, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, nous, on goûtera tout ça en off, je pense. Ouais, ce sera toujours aussi simple. Voilà. Ça vous va, voilà. Du coup, bah, on vous remercie d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. Vous avez été très actifs, surtout Mathieu et Maxime, qui ont été très, très actifs. Moi, j'ai bien aimé, c'était une bonne expérience de faire ce live. De faire ce live avec vous, pardon. Surtout entre copains. Surtout, ouais, voilà. Bonne ambiance. J'espère qu'on vous aura fait vivre un bon moment, un peu rire aussi. Voilà, si vous avez quelque chose à dire. Voilà, mais moi je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi c'était une super expérience, on n'a pas souvent l'opportunité de faire ça. Donc du coup, on remercie encore une fois la Team Campus et puis l'Institut de nous laisser faire des choses comme ça. Peut-être un dernier mot, Paul ? Non, moi je vous dis à bientôt, j'espère après le Covid et le plus rapidement possible pour boire un verre. Voilà. Et du coup, on vous donne rendez-vous aussi le 15 avril avec Gabriel, Carmen et Alban, du coup, pour une recette anti-gaspi. Donc, ce sera dans le cadre d'une semaine étudiante autour du développement durable. Et voilà, pour nous, c'est la fin et on espère vous retrouver à très vite. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.